Dans moment là, c'est champagne qui a pété. Tout démocrate a volé en l'air. Papa Biden élu comme 46e président des États-Unis d'Amérique. Je dis à même face avec Donald Trump. Après 5 jours, t'as un gros suspense dans États-Unis. Finalement, bulletin en Pennsylvanie qui gagne 20 grands électeurs aller joindre Joe Biden, ça qui permet Biden prend 270 voix. Grand électeur et élu comme 46e président les États-Unis. Ou pas ta remé konnen ki sa k'ap passé nan moment là nan États-Unis. Ou pas ta remé konnen ki réaction Trump face avec résultat ça. Ou pas ta remé konnen ki jan américain yo content. Ou pas ta remé konnen tout réaction chagrin haïtien k'ap vive les États-Unis d'Amérique et ça tout ki espérer aller à habiter ou bien tout ça qu'a vivre sous ti pièces, eh bien c'est ça yo nous pral expliquer dans vidéo jodi. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment vous? Est-ce que vous en forme? Est-ce que santé a OK? Est-ce que tension baissé par rapport avec toute sentence qui t'a vinn pour vous dans jour qu'a vinn yo là à cause ou vivre sous ti pièces? Merci d'être abonné ensemble avec Chanel là et merci d'être toujours à suivre et merci pour commenter, pour like. Merci d'être ou partager vidéo. Wow, c'est qu'on n'a pas connu qui j'en ça fait nous bien leur fait ça. Continuez abonner, continuez partager pour nous capable faire message là aller plus loin. Joe Biden, ancien vice-président américain. Joe Biden gagne une place en permanence sous tableau politique des États-Unis depuis presque 50 ans. Te paraît bien placé pour te entrer dans la Maison Blanche sous troisième essai li t'ap fait pour remporter une élection présidentielle. Pendant dernier moment de campagne électorale là, sondage qui t'est fait à travers tout pays là, même dans état qui plus important politiquement yo, te montre que Joe Biden tap mené devant président en place Donald Trump. Et situation a te rete comme ça juste avant jou élection mardi 3 novembre 2020. D'après analyse politique yo ak professionnel nan zafè pronostic, pendant responsable commission électorale divers états te besoin plus temps pour yo te fin compte toute voix. Biden te gen plus chance mathématiquement pour te fin par rapporter 270 votes li te besoin dans collège électoral. Yon entité qui gagne 538 votes en tout qui détermine qui candidat qui remporte élection dans une démocratie côté choix président nation, c'est un choix qui fait yon façon indirecte. Dans le système ça, l'État qui gagne un plus gros candidat vote électoral, c'est eux-mêmes qui décident le résultat final de l'élection. Après victoire apparente, Joe Biden, et avec prestation serment en janvier 2021, l'a tourné 46e président des États-Unis. Même avant la cérémonie investiture déroulée, il a déjà gagné 78 ans sous tête. Qui donc l'a tourné président américain qui pi grand monde dans toute histoire les États-Unis. En tout cas, li pi grand monde tout passé dans notre shop. Qui lui même te gen tan 70 ans l'elle était entré dans Maison Blanche. Donc ça veut dire Joe Biden gen 8 ans en plus président Trump. Joe Biden t'a échoué deux fois dans l'effort qu'il t'a fait avant ça pour te remporter nomination Parti démocrate pour une élection présidentielle en 1988 et 2008. Quand il n'est pas arrivé à traîner assez de monde, il t'a passé 36 ans comme sénateur, un petit État américain, État Delaware. Et comme vice-président américain, sous demanda ancien président Barack Obama soit pendant 8 ans. Dans la course électorale qui débouchait sous l'élection présidentielle 3 novembre 2020, il était pour éliminer environ 2 douzaines candidats rivaux pour te passer prendre nomination parti démocrate.
pendant pandémie coronavirus là a fait rage tout partout sous territoire national américain. Joe Biden est arrivé mené sa analyse yorele une campagne qui moins traditionnelle dans histoire récente élection présidentielle aux États-Unis. Contrairement à président Trump, il était négligé type campagne qui rassemblait gros quantité moun dans meeting des masses ou rassemblement politique. Au lieu de ça, il était organisé rencontre avec une quantité participants réduit côté partisans li ont respecté distance 2 mètres là comme distance sociale et yo te mette masse dans figi. En plus de ça, pendant toute campagne là, il était prononcé en pile discours depuis résidence privée li dans état Delaware sans li pat déplacer, c'est tout temps et sans mettre de l'eau dans bouche li. Joe Biden te dénoncé Trump pour Jean li gérer lutte contre propagation pandémie coronavirus là dans États-Unis. Elle te levé la voix pour le dire mauvaise gestion ça bay Trump yon dossier qui fait tourner leader pays qui enregistre plus gros quantité moun nan COVID-19 la touye soit plus passé 230 000 morts d'après centre recherche sous coronavirus là nan université Johns Hopkins. Biden fini pa di Trump croise bras devant la guerre pandémie. Trump monte drapeau blanc comme quoi pour montrer li rend tête li devant attaque coronavirus là. Joe Biden te fini pa di avec yon dossier constitution pas mérité pour passer 4 l'autre année encore comme président des États-Unis. Et journée jodi a gardez ça passé. N'a problème nous dernièrement là pour Jean élection en table déroulé. Joe Biden son président qui tellement confiant. Li dit toute population, toute démocratie, rete tête frette ak patience n'a privé joine trip fumi. Tandis que bon côté pa Trump li pat suspend voye monter pendant le tab di démocrate yo c'est voler élection oui parce que m'ta mené nan paquet état et bi gade journée jodi a ça passe ça te fait gros scandale nan média et non seulement ça tout en pile pays te wè aux États-Unis mal et gade en balde nan cas ça en pile pays t'a dit non président ça pap carré prend mandat encore non li pap carré passer 4 ans encore sous pouvoir non même Jean Joe Biden de dit ni la France ni Allemagne yo gardé aux États-Unis en pas lunette plus précisément président Donald Trump. Et bien journée jodi a femme dit nous président Trump pral quitter Maison Blanche malgré toute attaque malgré toute parole li t'a dit matin midi et soir. Depuis président Joe Biden monté, li bali 3 semaines pour le shutdown. Eh bien, ça n'a pas fait. En janvier, président pral prêter serment. En ce sens, après 3 semaines, n'a pas connu ça pral passer puisque Joe Biden président. Toutes les États-Unis a fêté de joie. Toutes black yo content parce que yo pas oublié nous promesse Joe Biden de faire. Et jusqu'à présent, nous capable de confier parce que son président qui prend en patience. Bravo avec tout membre électoral les États-Unis. Bravo avec président Joe Biden et bravo avec chaque black, avec chaque monde qui te marché dans logique Joe Biden. Et bravo avec communauté qui décide de suivre Channel ça pour voir information matin midi soir. Yon façon pour pas prendre info nouvelle mais pour capable toujours de dire bien fort. De toute façon, en pile haïtien content, en pile haïtien dans moment là a fêté de joie aux États-Unis a dit vive papa Biden pour lui. Vive tonton Dieu pour lui. De toute façon, on kebe même idée
On kebe même force ak détermination ak solidarité a yon façon pou bagay yo capable améliorer ni pou Haïtien ka viv aux États-Unis ni sa ka viv en Haïti. Mais on nous tout fait effort avec tête nous tout parce que bois qui nan jou la c'est ou même ki wè ki pou aider. Yon lot ka toujours vin aide ou, mais l'essentiel c'est ou même ki pou fè bonne. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Foucault, zami information qui te ensemble avec rendez-vous cassé pour une autre vidéo. N'a croisé, mais un petit temps qui va. On va venir.